Voilà, l'explosion, ça vient d'exploser, j'étais à la maison. Ça a explosé, ben voilà quoi, c'est juste de la folie quoi. J'étais en bas, c'était un bruit, j'ai cru que c'était un attentat, j'ai cru que c'était... J'ai cru que les vitres avaient volé, j'étais devant mon ordinateur, j'ai bien entendu la police qui tapait aux portes. Mais bon, je pensais que c'était des voisins qui s'engueulaient quoi, donc je suis pas sorti. Puis tout d'un coup l'explosion quoi, ça m'a jeté au sol. C'est impressionnant. Je sais pas ce que c'est comme produit. Qu'est-ce que ça peut être comme produit? C'est des bouteilles de gaz. C'est des bouteilles de gaz? Oh! Non mais attends. Oh ouais, il faut que ça. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais il y en a d'autres bouteilles de gaz. Là, tout n'a pas sauté en même temps. C'est incroyable ça. Putain! Pour éteindre un feu comme ça, là, bonjour. Et reste pas à côté parce que s'il y a des bouteilles là-haut qui pètent, mon pote les éclate. Là, la police vient de casser les... une porte d'entrée au 45 pour faire sortir les personnes. Et puis là, bien entendu, putain, c'est au niveau 43 que ça a brûlé. Hein. Je sais pas comment ils vont faire pour éteindre le feu là. Parce que là, putain. Après, le plus dangereux, c'est le gaz ici. Hein. C'est le gaz. Bon ben voilà quoi, je préfère ne pas trop m'approcher. La police arrive, apparemment elle a bouché l'entrée de la rue Jean Jaurès. Et puis la police en civil est en train de nous évacuer, de faire en sorte que la population soit à l'abri, parce que c'est sûr que ça peut toujours exploser. Et puis le rayon d'action de ces bouteilles de gaz, ben on les connaît pas, hein. On la connaît pas, donc ça peut... ça peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Donc la première police arrive, enfin pas police, pompier. Bon apparemment il y a des gens qui paniquent, là il y a des gens en pleurs. Ce qui est un peu normal, hein, c'est un gros choc, hein. L'explosion est, c'est impressionnant. Je suppose qu'ils vont passer également par la petite rue derrière, là où il y a les parkings. Donc on est à la maison, enfin, je suis en dehors. Je suis en dehors de la maison pour un sacré bout de temps. Alors pendant que les pompiers s'affairent à continuer à mettre beaucoup de mousse, je sais pas si on voit, non bref, ben voilà, là j'apprends que je vais pouvoir dormir chez moi ce soir, les gens au rez-de-chaussée. Là, j'ai sous les yeux un gros morceau de métal qui s'est enfoncé dans le sol sur au moins 30 cm. C'est une bonbonne de gaz qui est complètement ouverte, qui au départ est ronde. Voilà. M'a-t-on dit, hein. Je ne sais pas si c'est une bouteille de gaz, mais en tout cas, ça a volé. Il y en a une autre qui a volé à plus de 200 mètres. Voilà, donc tout se termine bien pour certains, un peu moins pour d'autres, hein, que ceux qui habitent au quatrième. Eux, ils ont l'appartement rempli de mousse, de flotte, etc. Apparemment, il n'y a aucun blessé, il n'y a aucun mort.